بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مضر اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما واللهم اغفر لهما اللهم اغفر لهما وأدخل أبي الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a permis de venir célébrer, incha'Allah ta'ala, la fête et le sacrifice d'Ibrahim alayhi salatu wa salam. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé cette sécurité, cette afia, ce bien-être, ce pouvoir se déplacer sans aucune crainte, en toute sécurité. Tout cela n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis tout cela. Il est important que chacun d'entre nous, chaque jour de notre vie, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les faveurs qu'il nous a données. Tous ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a accordés, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il garde toujours ses bienfaits et ses faveurs, incha'Allah ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient en aide à tous nos frères et sœurs dans le monde entier, où qu'ils soient, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide. L'histoire d'Ibrahim alayhi salatu wa salam, qui est une histoire tout à fait connue. Et dans cette histoire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de leçons à retirer sur le sacrifice d'Ibrahim alayhi salatu wa salam, l'esprit de ce sacrifice, comment Ibrahim alayhi salatu wa salam, il s'est préparé, et comment Ibrahim alayhi salatu wa salam, et c'est un des points les plus importants, comment Ibrahim alayhi salatu wa salam il a préparé son fils Ismaïl alayhi salatu wa salam pour cette épreuve exceptionnelle venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle épreuve! Un fils, nous savons tous, nous parents, quel est l'amour que nous portons pour nos enfants, et quel est cet amour qui parfois, subhanahu wa ta'ala, est un amour que parfois qui ne sort pas de la raison, ça dépasse les limites. Mais là, Ibrahim alayhi salatu wa salam, et quelle épreuve Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de le faire, le sacrifice de son fils Ismaïl alayhi salatu wa salam. Mais ce qui est important ici, c'est comment il a préparé Ismaïl alayhi salatu wa salam. Parce que nous savons tous que le rêve d'un prophète alayhi salatu wa salam, Parmi les moyens et les méthodes de révélation, il y a le rêve. Le rêve constitue une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour un prophète alayhi salatu wa salam. Ce qui veut dire que l'ordre de ce sacrifice vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a un ordre direct à travers un rêve. Donc il n'y a pas à discuter. Le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il reçoit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne discute pas. Alors, d'où la question, mais pourquoi demande-t-il à son fils, je t'ai vu en rêve, que penses-tu de ce rêve? Alors que c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Shafi'i rahimahumullah ta'ala et d'autres savants disent, le pourquoi de cette question de Ibrahim alayhi salatu wa salam à son fils, c'est pour vérifier de sa propre bouche, Ismaïl alayhi salatu wa salam, le résultat de son éducation envers son fils.
Je voudrais maintenant voir le résultat de cette éducation spirituelle, de cette éducation à la maison, comment il va répondre. Il sait que c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il veut entendre de la bouche est-ce qu'il a réussi cette éducation ou pas. En d'autres termes, lorsque Ismaïl alayhi salatu wasalam dit if'al ma tu'mar, fais ce qui t'a été ordonné, satajiduni insha'Allah min as-sabirin, certainement tu me trouveras parmi ceux qui font preuve de patience. Il n'a pas dit, Ismaïl alayhi salatu wasalam n'a pas dit tu me trouveras être patient. Non. Regardez l'humilité. Donc, toute l'éducation a été réussie. Satajiduni insha'Allah minas-sabirin, parmi ceux. C'est-à-dire, je ne suis pas le seul. Il ne s'approprie pas cette qualité de persévérance et il ne se tourne pas vers ce qu'on appelle une attitude nombriliste, c'est-à-dire moi, mon ego, moi, l'orgueil, non, moi, celui qui n'accepte pas la vérité, moi, celui qui renie toute vérité, moi, non. Minas-sabirin. Je suis parmi ceux qui sont persévérants. Et cela nous montre, et c'est la leçon qu'on va retenir, inshallah, aujourd'hui, que la famille est un moment précieux de notre vie. Une maison dans laquelle il y a un environnement positif, où il y a un rappel de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. La maison aujourd'hui constitue notre château fort, constitue notre rempart contre tout ce qui peut être comme fitna, comme épreuve à l'extérieur. Et pour nos enfants et pour le bien-être de la famille, il est important qu'à la maison, il y a un environnement où il y a toujours ce rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il y a toujours ce rappel de notre identité que nous sommes musulmans. Ne l'oublions pas. Nous sommes croyants, ne l'oublions pas. L'islam n'est pas contre la modernité, l'islam n'est pas contre la technologie, mais il faut avoir un garde-fou pour pouvoir permettre à l'enfant et à nous-mêmes de pouvoir naviguer dans ce tourbillon de notre existence qui fait que parfois on tombe dans des pensées qui font que nous ne sommes plus musulmans. Na'ouz billah, Allah ce matin nous en préserve. Imam Ghazali, rahimahullah ta'ala, il a dit, il avait l'habitude de dire, le soir avant de dormir, relis ton kalima, parce que tu ne sais pas, dans la journée, tu as dit une parole qui a blessé une autre personne. Tu as dit une parole qui a touché une personne, une parole désobligeante. Tu as dit quelque chose qui n'est pas bien, ou bien tu as pensé d'une façon qui fait que tu n'es plus musulman. Allah ce matin nous en préserve. Donc ce qui veut dire un environnement positif pour la famille où chacun se sent bien. Chacun se valorise et trouve sa place, c'est uniquement à travers le din. Hazrat Omar radiallahu anhu, lorsqu'il a dit à un de ses compagnons que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a honorés par le din. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous déshonorer si on change de direction. Aujourd'hui, l'enfant, il recherche la reconnaissance. Et cette reconnaissance, s'il n'y a pas ce travail de l'invisible, dans le visible dans lequel il vit, s'il n'y a pas cette relation verticale, l'horizontale devient difficile pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il va rechercher cette reconnaissance à travers l'apparence. Il va rechercher cette reconnaissance à travers les réseaux sociaux. Il va rechercher cette reconnaissance autre chose que dans le din. Et il croit que cette reconnaissance et cette valorisation sociale et cette visibilité sociale se trouvent en dehors de din. Na'ouz billah, Allah nous en préserve. Et c'est ça qui est important. Comment Ibrahim alayhi salatu wasalam, il a travaillé cet enfant dans un environnement positif où Ismaïl alayhi salatu wasalam, il a réussi l'épreuve. Et ça c'est exceptionnel. Exceptionnel lorsque Allah ce matin il dit d'égorger son fils. Ibrahim alayhi salatu wasalam lui-même il est prêt, le fils il est prêt. Ce qui veut dire que l'objectif de notre existence et l'objectif de l'existence de tous nos enfants, c'est la recherche de la satisfaction d'Allah ce matin-là. Ça c'est important.
Comment Allah subhanahu wa ta'ala l'atteindre? Comment atteindre sa satisfaction? Et c'est uniquement dans le din. Ce n'est pas dans l'argent. L'argent c'est un moyen. La richesse c'est un moyen. La personnalité c'est un moyen. Ce n'est pas une fin. Ce n'est pas un objectif. Travailler cette humilité. Travailler cette prise de conscience que je suis musulman. N'oublions pas notre identité. Et lorsque aujourd'hui dans les familles il y a les relations qui se coupent. Les relations qui se coupent. Le père ne parle pas avec le fils. La fille ne parle pas avec le père. Et il y a un désordre familial parce qu'il n'y a pas ce dîn. Chacun, il est tourné vers d'autres objectifs en dehors de dîn. Et dans les relations familiales, lorsqu'il y a cette coupure, allez, on se met en colère pour... On est devenu aujourd'hui susceptible. On ne peut plus dire la vérité. C'est très difficile de dire la vérité. Même avec sagesse, même avec tact, c'est très difficile. On se met en colère, on est susceptible, on devient... Mais l'enfant, il recherche justement, il va trouver ailleurs. Il n'y a plus cette entente familiale où on se coupe de tout. Et on va connaître l'autre par intérêt. Non, Allah nous en préserve, vraiment. Allah nous en préserve. On va connaître l'autre par intérêt. Si je n'ai aucun intérêt à retirer de cette personne, je ne la fréquente pas. Non, non. N'oublions pas qu'il y a une vie après la mort. N'oublions pas qu'on aura des comptes à rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si dans la maison il n'y a pas cet environnement, et comment créer cet environnement? On lit un hadith. Mon fils, est-ce que tu as fait la salah? On a beaucoup d'autres priorités. On a beaucoup d'autres priorités. Telle activité, telle sortie, telle ceci. Mais la salah, est-ce que tout le monde a fait la salah dans la maison? Ma fille, est-ce que tu as fait la salah? Mon épouse, est-ce que tu as fait la salah? Chacun est devant son écran. Mais où se trouve notre bonheur? Où se trouve notre bonheur lorsqu'il n'y a pas le din? On ne peut pas trouver le bonheur s'il n'y a pas le din. Wallah, mes frères. Et ceci, c'est un rappel pour moi-même en premier, dans la maison, de créer cet environnement où l'enfant, maintenant, il connaît la valeur de garder les liens familiaux. La valeur de garder les liens familiaux. Et ça, c'est uniquement à travers le din. Parce qu'il sait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur le maintien des relations familiaux. Aujourd'hui, on se plaint de ceci, on se plaint de cela. Mais pourquoi? Parce que dans les relations familiaux, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui maintient les relations familiaux, Allah subhanahu wa ta'ala apporte la baraka. Dans lequel la maison, il y a le din, les anges descendent. Subhanallah, les anges spéciaux habitent cette maison. Mais si dans la maison on crie, si dans la maison on hurle, si dans la maison on se met en colère, on est susceptible pour rien, on ne veut pas entendre la vérité, mais parce que le din, oui, la lecture du Coran, la dernière fois qu'on a pris notre Coran pour lire dans la maison, la dernière fois qu'on a pris le hadith de Rasulullah pour lire dans la maison. Ça c'est important, c'est très important pour qu'on garde les pieds sur terre avant d'avoir les pieds sous terre. Garder les pieds sur terre. On dit qu'on a marché sur la lune, mais d'abord apprends à marcher correctement dans ta maison. Ne te mets pas en colère envers ton épouse. Et vice versa. L'épouse ne se met pas en colère. Parce que, aujourd'hui on se met en colère pour rien. On s'éclate. Subhanallah. On n'arrive plus à cette maîtrise de soi. C'est ça. Le vrai fort, c'est pas celui qui a terrassé l'autre. Le vrai fort, c'est celui qui s'est maîtrisé. Il sait, j'accepte la vérité. J'accepte. Parce que din veut, Allah il veut comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous vraiment la compréhension de ce qu'on vient de dire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que dans nos foyers, il y ait un environnement positif où ça respire le bien-être de vivre. Où ça respire, c'est une harmonie. Il y a le din, c'est uniquement à travers le din que nos enfants puissent grandir, quel que soit l'environnement, mais ils savent que mon père, ma mère m'ont donné des repères. Et lorsque demain, nous, parents, nous allons fermer les yeux, tout ce que l'enfant il va faire comme bien, nous allons récolter dans la tombe. Mais tout ce qu'on a laissé faire, on dit non, c'est pas grave. Il est encore dans sa jeunesse, il est encore dans sa pleine croissance. Ben, tout ce qu'il aura semé, bien ou mauvais, on le récoltera dans la tombe. Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. On va procéder à la méthode de la salat de Eid. Alors la salat d'Eid, wallah, j'accomplis la salat d'Eid derrière l'imam avec ses 6 takbirs supplémentaires.
6 takbir supplémentaires. Alors c'est très facile, le premier takbir et le quatrième takbir, on lève les mains et on les croise. Le premier et le quatrième, on lève les mains et on les croise. Deuxième et troisième, on lève les mains, on les croise pas. Bien sûr, on dit Allahu Akbar. Lorsque l'imam, donc, il a terminé le quatrième takbir et on croise, c'est là qu'il fait surah Fatiha et une surah. Et ensuite, donc, ruku, sajda, on se relève, on lit, l'imam il lit Fatiha, surah, et après il va faire trois takbir, on lève les mains, on les croise pas. Et au quatrième takbir, on va dans le ruku, inshaAllah ta'ala. Et après, la salat, il y a le takbir, bien sûr qu'on lit le takbir, après il y aura inshaAllah ta'ala le khutba, inshaAllah ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous la afia, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fasse que nous puissions connaître toujours cette sécurité, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous enlève pas toutes ces faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordées, et qu'il vient en aide à tous nos frères et sœurs dans le monde entier qui sont opprimés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les vienne en aide. Amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Donc on va dresser les safs, inshaAllah ta'ala, et on va se mettre debout pour Inch'Allah pour la salat, Inch'Allah ta'ala.